Et salut à tous et à toutes, c'est KotaTroy pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de notre Let's Play sur Portal 2. On se retrouve juste exactement au même endroit puisque je tourne à la suite. Ne faites pas attention, je rapproche juste la salle de test de moi, histoire de profiter au mieux des résolutions. Qu'est-ce que tu fais? Oui? Ok. Non, pardon, je croyais vous avoir entendu. Oh, c'est mignon les primates. En fait, je suis pas vraiment dans la pièce. Toi, pas pouvoir tuer visage de dieu. Ça, il se prend pour un dieu. Il est tellement débile, putain, il est tellement débile. Allez, là, il est allé, il a rapproché la salle juste pour, entre guillemets, qu'on se voit. Enfin, qu'il nous voit mieux, alors qu'en fait, on peut pas le voir. Enfin, il nous voit avec des caméras, quoi, donc c'est pas non plus. Alors, on a un bouton ici qui active quelque chose. À mon avis, un objet à faire tomber ici, donc un cube sans doute, qu'on va devoir poser ici. Alors, ok, il grille, donc il faut qu'on aille là-haut pour le désactiver, donc. Comment je peux aller là-haut, sachant que j'ai pas de vitesse? Il n'y a que ça qui permet de prendre de la vitesse. Ah si, je sais. Si je fais ça, ça devrait suffire. Parfait. Donc on va devoir poser le cube là-bas. Pourquoi je voulais aller ici déjà? Oui, parce qu'il faut que je désactive ce mur. Mais si je désactive ce mur, il est évident que les tourelles vont me tirer dessus. Donc on va poser un portail comme ça pour bloquer les tourelles, sinon on va se faire défoncer. Est-ce que c'est ça qui désactive le... Non. Ça ouvre la porte finale. D'accord. On revient au début. L'idée était pas mal, mais d'abord il faut récupérer ce cube. Cube qui va se faire défoncer, donc... J'ai pas vu où il tombait. Faut qu'on arrête. Plus bas. Je peux peut-être le mettre là. Ok, donc c'est plutôt difficile à les récupérer. Quoique. On va faire ça. Comme ça. On va pas trop se mouiller, hein. J'ai pas trop envie de me faire défoncer par les tourelles. Là, ça devrait aller. Voilà, parfait. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. Donc on se repropulse de l'autre côté. Avec cette simple méthode, sauf que, évidemment, hop, on prend le cube avec nous. On va le poser ici, on va setuper du coup pour pas se prendre de dommages. Et on va poser. En tout cas, il a réparé le truc des tourelles. En même temps, on a été avec lui donc il sait comment ça marche. Voilà, parfait. Donc. Vous êtes vraiment sûr de bien résoudre ces tests? D'accord, vous l'avez résolu. Peut-être qu'il y a différentes solutions à chaque fois et que vous choisissez toujours les pires. Toujours les pires. Non, Moi je non, résous, c'était hein. bien la solution. Ah, c'est quoi le problème? Et il comprend pas. Il comprend pas pourquoi il a pas cette extase qu'il a eu quand on est revenu et qu'on a fait les premiers tests et que ça y est, les tests réussissaient et tout. Et du coup, il commence à devenir fou. Ce qui n'est pas bon du tout. Ce qui me rassure pas du tout. Bref. Excusez-moi, j'ai un peu la. Un chat à la gorge. Ça sent pas bon. Je viens d'avoir un stimulus. Je vais vous enregistrer en train de résoudre ces tests et j'en regarderai 10 à la fois pour être plus productif. Et par voie de conséquence, il va falloir que vous les terminiez 10 fois plus vite. En tout cas, faites-moi signe avant de résoudre ces tests, d'accord? Histoire que j'évite de me spoiler la fin. Ça permet d'aller où? Ok, on s'en fout. Il faut qu'on aille là-bas. Donc. J'appuie dessus, mais je m'en fous. Si je fais ça. Parfait. Il y a aussi un laser qu'on doit mettre ici. Oh là là. Vas-y, mets-le. Voilà. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça du coup déjà? Ah, ça fait descendre un pro ça va faire descendre un premier truc.
Ok, il va falloir faire descendre le deuxième en mettant un laser ici. Mais comment je mets le laser? Ah, j'ai un cube là-bas. Mais comment je vais la récupérer? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas l'air d'avoir. Ah. Comment je te récupère, toi? Ah, si, je sais. Alors, attention, il va être rapide parce que j'ai pas envie que mon cube tombe. On va faire. Hop. On va faire ça, on va remonter. Le cube normand. Ah putain, il est passé où? Il a été détruit? Ah non, il est là. On va laisser en place, puisque de toute façon c'est ici qu'il devra être. Hop, pour appuyer là-haut. Donc on va laisser ici. La solution que j'avais pensé, c'est prendre ça et faire ça. Ouais. Problème. Que je suis pas assez haut et je pourrais pas passer à travers ce truc. Donc, ah, c'est pas la solution. C'est pas la solution, mais du coup, alors attendez. Ah, là vous me voyez galérer, c'est pas mal. J'ai un truc ici. À quoi ça me sert? A priori, à rien. Mais si il y a un propulseur aussi ici, à moins que. Ouais, non, je vois pas. J'allais dire, si je me propulse ici, ça va peut-être me propulser ici. Donc, je peux peut-être m'en servir pour me propulser par ici, mais ça servira à rien. Ah, ça sert à rien, en tout cas, c'est sûr. Ouais, on va essayer, on va essayer. Ah, mais non. Si ce truc marche, c'est forcément parce qu'il y a le laser ici. Donc si je le coupe, je vais pouvoir aller de l'autre côté d'abord. Donc le bleu. Hop. On va remettre ici le bleu. Donc on va d'abord aller. Ah voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Vous avez trouvé? Je pense oui, hein, en même temps que moi. Ici, on prend de la vitesse. On a coupé du coup ce truc-là. Donc c'est parfait. On va utiliser. Ah oui, mais comment on va faire pour à la fois utiliser le laser, puisqu'on aura besoin du laser, et en même temps. Alors attendez, je suis pas encore sûr de moi, donc je vais laisser un portail ici. On va mettre l'autre ici. Ok, j'ai trouvé. Et vous, vous avez trouvé? Vous voyez que il faut que j'utilise le laser. Donc, ce qu'on va faire. C'est qu'on va ramener. On va laisser celui-ci ici. Alors je sais pas si c'est la bonne solution, hein. On va voir. Alors on va laisser lui bloquer. On va. Ah, quoique non, parce qu'une fois qu'il sera en haut, ça marchera plus. Dans mon esprit, ça passe bien. Dans mon esprit, je me suis dit, je vais le mettre lui là pour prendre le laser et aider. Enfin, je suis débile. Je suis débile. C'est forcément celui-ci qui prend le laser. Ah mais oui, mais le laser c'est que le premier. Donc il faut que ce soit activé en premier. Aïe. Ouais, mais du coup comment je récupère ce cul? Ah bon, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre ça en place. Ah oui, non, mais le laser il faut qu'on l'ait ici. Mais comment on maintient le cube là-haut si on dévie le laser? Ah oui, je sais. Je sais. Parce que si on dévie le laser. Le laser, c'est le premier. Une fois qu'on sera sur le premier, on pourra faire la manip pour avoir sur le deuxième. On va mettre ça ici et on va mettre le bleu ici. Ah, les tests, hein. Hardcore. Comme ça. Comment j'enlève celui-ci? Bah, tout simplement en faisant ça. Voilà. En faisant ça. Voilà, comme ça j'enlève le cube. Ensuite, je mets un portail là. Un autre ici. Ce truc va descendre. Je renlève le portail pour que lui descende. Et c'est bon. Hop.
partir avant de... Oh, pourquoi vous faites toujours tout de travers? Eh, c'est toi qui surveille, hein. Moi je fais juste les tests. Oh. C'est plutôt inquiétant ça, GLaDOS. Ce serait pas mal de s'en occuper peut-être un jour. Moi je dis ça après. Hein? Je suis qui dans le. Dans le game, hein? Ouais, je suis désolé pour toi, GLaDOS. Allez, s'autodétruire. J'ai rectifié ça. J'ai programmé une dernière secousse, juste pour le plaisir. Deux, une ou deux dernières secousses. Rigolo, non? Allez, surchauffe du cœur. J'aurais pu le virer, je ne l'ai pas fait. Mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Reprenez les tests. Comment tu veux qu'on reprenne les tests alors que. Oh là là, tu... pas très rassurant tout ça. Alors, on a des trucs à activer ici. Celui du bas qui sert à quoi? À bouger ça. J'ai un portail là-haut, donc je vais pouvoir monter avec. On va attendre qu'il soit dessous. Et un autre qui est plus haut, qui devrait servir ici à désactiver ce truc. Ok, bon, on va déjà monter. Hop. Parfait. Oh. Je peux pas y aller. Ça grésille ici. Du coup, on va le prendre et on va activer. Ok, donc ce truc-là désactive le truc du haut. Je ne comprends ce que je vais devoir faire. Je vais devoir activer le truc du bas. Attendre un petit peu que je puisse passer. Désactiver. Aller de l'autre côté et réactiver le truc du bas. Faut aller de l'autre côté. On désactive. Parce que pour l'instant on n'a plus besoin. On garde un portail ici pour rentrer. Ouais mais ça va tomber où aussi? Ah ça va tomber de l'autre côté. Évidemment, ça pourrait pas être si simple. On va faire. Stop. Il a l'air d'être dessus. Le problème c'est que ça va être le même souci. À savoir, il passera pas. Là, il est un peu trop loin pour moi, donc on va le rapprocher un peu. Stop. C'est mieux. Hop. Et on en a besoin où, en fait? Attends, on est obligé de passer pour... Tombe pas, hein. Pas trop compliqué. Il est où là? Il est un peu plus par là. Voilà. J'ai eu peur pour le cube. On va attendre. Je me fais des frayeurs. C'est normal. C'est fait exprès. Donc on va réavancer un peu. Stop. Voilà, comme ça on peut descendre ici. Hop. Parce que le but c'est quoi? J'ai même pas vu où est le but en fait. Je fais pas. Oh là là. Je fais pas attention et c'est pas bien. Faut que j'aille où en fait? C'est ça le gros souci, c'est que grâce à ça, je peux dévier le rayon, mais à quoi ça me sert? Change rien. Je peux faire ça. Voilà, je peux dévier le rayon, mais à quoi? En quoi est-ce vraiment utile? Je vais avoir besoin, je crois, de. Ah, non, mais merde. Ah, attendez. Il me refaut une vision globale, donc il faut que je puisse aller là-haut. Donc on va remettre le portail. On va réactiver ça. Ils sont tordus les tests, hein. On approche quand même, enfin on avance dans le jeu. Ils déconnent plus du tout. Hop.
Le cube, je vais le laisser ici pour l'instant. Je sais que je peux le récupérer facilement. Enfin, facilement. Merde, où est la porte? Elle n'est pas de l'autre côté, il n'y avait qu'un bouton. Ah, elle est juste là. Je suis vraiment débile en fait, elle est juste là et j'ai besoin d'activer ici. Mais pour l'activer ici, comment je fais? C'est vrai que c'est une bonne question. Je n'ai aucun portail en face. Donc il faut que j'utilise ce truc. Le problème c'est que ce truc doit être en face. Oh, ça va être chiant. Si j'ai bien compris, il faut que j'envoie le rayon là-bas, à la bonne hauteur, donc ici. Et que le cube, en fait, soit là-bas, sur la plateforme. Et je le renvoie pile bien ici. Donc en fait, j'aurais pu le faire tout à l'heure quand j'avais le cube, mais je l'ai pas fait parce que je suis vraiment trop débile. Je suis vraiment trop débile. Hop, donc on va faire la même manipulation que tout à l'heure, donc... Un peu risqué. On va attendre. Stop. Non, encore un peu. Stop. Voilà, on désactive ça. On va de l'autre côté. On réactive quelque part par là. Stop. Ça, c'est bon. On va l'envoyer ici, pourquoi pas. Sûrement, on le dévie, ça va. Voilà. Ensuite, on revient. Et ensuite, on remet les portails comme on a mis. Donc, il y en avait un ici. Et un ici. Oh, toujours rien. Désolé pour l'ascenseur, il est hors service. Attends, t'es sérieux, il y a même. Tu vas me faire ton. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Mais courez vite! Que veux-tu que je fasse? Je sais pas. Oui. Et 2100 fois oui. La sortie était... Ah, la suite qui était là-bas. Je peux rien poser ici. Ah, ok, ça s'ouvre. Je peux pas aller en face. Je peux aller là-bas. Hop. Oh là là, Whitley aux commandes, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment... très spécial. Mais bon. Allez, on continue. Ah, vous êtes vivant ? Super ! Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui d'autre, hein ? Voyons voir. Alors si j'active, ça tombe. Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test. Oui, parce qu'il y a pas de sortie dans mon test, d'accord. Il avait tout ce qu'il faut, mais c'est pas de sortie. Oh là là. Super. Oh, par contre, j'ai trouvé quelque chose. Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux. Vous allez être sciés. Une grande surprise pour nous deux. Pourquoi j'ai un peu peur? Ah oui, mais... Comment je fais pour récupérer un cube qui tombe en sachant que il faut que je sois ici? Vache. Y'a pas un autre cube que je peux récupérer. Je peux aller ici pour activer ça. Ce qui ferait tomber de la peinture, mais ça, on va attendre un petit peu. Il faut que je fasse ça le plus vite possible. Mais ça suffit pas. Ah si, il est tombé là-haut.
Ah, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'était lequel? C'est le rouge. On va le pousser d'abord. Je vais mettre en dessous. Et voilà. Easy. Voilà. Donc, toi, c'est bon. On va devoir t'activer. On va devoir le mettre là-bas. Pour activer de la peinture rouge. Ah ouais, donc lui, il a carrément pris aussi tout d'anciens tests. Ou c'était peut-être prévu pour les nouveaux. Hein. Problème, c'est que... Ça va pas assez loin. Donc, on va faire ça. Sur toute la longueur de la rampe, on devrait avoir assez de vitesse. C'est soit ça, soit je mettais un comme ça à volonté, mais je pouvais pas le mettre à l'infini. Quoique... Que j'y réfléchisse, ouais, non. Je sais pas. Alors, on essaye? Je suis pas sûr, hein. Il y a une rampe, donc je suppose que c'est comme ça que j'ai. Ok, il y avait rien. La mort. La mort bête. C'était qu'on allait à l'inconnu. Non, mais ou bien. Pourquoi on se fait chier avec ça? Alors que je peux faire ça et avoir un rayon qui me poussera jusqu'au bout. Ouais. J'ai juste à monter et c'est bon, je l'ai. Enfin, je sais pas ce que je vais faire après, mais. Ouais, je suis dedans. Ah, j'aurais du mal à le mettre là. Hein. Parce que là, je peux pas passer à travers. Hein. Évidemment. Ah, mais là, j'ai un truc. Devrait. Ouais, c'est bon. Bon. Whitley. Tes tests, hein. C'est un peu de la merde. On va pas se mentir, hein. Ouais, mais du coup, comment je fais? Parce qu'il faudrait que je mette un portail ici, a priori. Et un bleu là-bas. Sauf que dès que je passe ça, ça s'enlève et je n'ai pas accès au bleu sauf d'ici. C'est quoi là-bas? Pas bah, attention. Réfléchis, ouais, réfléchis. Je peux rien faire ici. Ouais, mais il y a du gel. S'il me donne du gel, c'est forcément qu'il y a besoin de. Ah, je sais. Know. Je vais commencer par. Ça, ouais, mais non, j'aurais dû mettre du gel d'abord. Putain, je suis trop débile. J'aurais d'abord dû mettre du gel, puisque après, je vais avoir besoin de. Ah, oui, je peux le tirer d'ici. Ok, je suis vraiment débile. Ok, on va d'abord mettre du gel. Puisque, en fait, en gros, si vous avez pas compris, du coup, voilà. En gros, le rayon qui est bleu là, je le mettrai là-bas et la peinture va me permettre de foncer et de sauter jusqu'au rayon bleu qui sera là-bas. Donc, on va faire hop, hop. C'est beau, n'est-ce pas? Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il nous suffit de récupérer le cube ici. Oh putain, le temps passe trop vite, on est déjà à 24 minutes. H. De le remettre ici parce que ce qui nous intéresse maintenant c'est ce rayon là, de le prendre et de le mettre là-bas. Ensuite, on va en début de piste et on fonce. J'ai tellement échoué. Par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais. Il est tellement débile. Non, là, là. GLaDOS revient au pouvoir. On est devenus amis maintenant. Y a pas de souci. Bref. C'est vrai. Bref. Ah, GLaDOS.
as fini, GLaDOS? C'est bon. Bref, du coup, on va se laisser aujourd'hui pour cet épisode-là, et on se retrouvera du coup mardi prochain pour la suite. On s'approche vraiment de la fin, donc je sais pas. Il faut qu'on finisse cette salle de test et qu'on aille l'affronter, en gros. Donc, je m'en souviens plus particulièrement bien, donc je sais pas s'il nous restera une vidéo, non, je pense pas, deux peut-être, trois ou quatre, je sais pas encore. Bref, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager si ça vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour la suite. Allez, salut! Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne, bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches.